vraiment rencontrer le Seigneur. Ça s'est fait petit à petit, avec vraiment des libérations dans la personne que je suis, j'ai découvert en fait qui j'étais vraiment en découvrant réellement cette relation avec le Seigneur. Et c'est ça que je vais vous raconter. Donc, comme je disais, je viens de Madagascar. Madagascar, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et mes parents, notamment mon père, ont travaillé très dur pour m'envoyer en France. Et donc, pour lui, c'était sa façon d'aider, en fait, de donner des opportunités, de bénir matériellement ses enfants. Et il avait beaucoup d'espoir en moi. Et mon frère, lui, qui me
remplissait d'orgueil, en fait, il y avait vraiment une prophétie. Alors, il n'était pas croyant, et je crois qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Il me dit, tes parents doivent être vraiment fiers de toi, tu es le fils prodige. Et à cette époque-là, j'étais juif, donc j'ai réussi à rentrer dans cette boîte, pas toi, je suis trop fort. Et oui, lui m'a rendu fier de moi. Et donc j'étais dans ce plan. Thank you.
Et je dois vous avouer qu'à ce moment-là, je me sentais bien. Mais je me disais, non, c'est pas possible. C'est peut-être aussi dans ma tête. Et le prêtre qui était en train de célébrer à ce moment-là a une parole de connaissance et il dit le Seigneur est en train de faire des grâces en ce moment à certaines personnes, de leur faire découvrir son amour d'une manière vraiment nouvelle pour ces personnes. Et cette parole de connaissance en fait, m'a conforté dans ce que je disais, que c'était vraiment le Seigneur qui était en train de me toucher. Et en fait, depuis, même si je n'ai plus jamais ressenti, en fait, j'en ai attendu des communions. Enfin, je me suis fait un film en disant qu'à partir de là, toutes les prochaines communions allaient être vécues comme ça. Mais c'était un peu une déception et une certaine colère. J'étais un peu fâché contre Jésus de ne plus pouvoir revivre ça. En tout cas, il y a vraiment un avant et un après. Et même si je ne le ressens plus comme ça, je sais qu'à chaque communion, qu'à chaque adoration eucharistique, en fait, c'est ce même cœur qui est devant moi et qui se mêle dans mon âme, dans mon cœur, même si je ne le sens pas. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, c'est cool, je veux servir le Seigneur, mais il y avait quand même toutes ces difficultés, il y avait tous ces bagages, ces chaînes, je voulais dire, de comment j'en étais construit, tout cela, qui faisait que je n'arrivais pas à m'abandonner complètement au Seigneur. J'avais envie de servir, j'avais envie de devenir missionnaire, comme certaines des personnes qui étaient à ce camp-là. Donc, au fond, moi, j'avais très peur parce que j'avais cette volonté de réussite et puis j'avais envie d'avoir une vie stable. Et entre-temps, justement, de notre vie en été résolu après à peu près un an. Et quand j'ai retrouvé mes papiers et que j'avais de nouveau cette possibilité de retravailler, j'ai vraiment eu cette sensation de me dire ça a été vraiment la tentation en fait, de me dire je vais rattraper le temps perdu, je vais me remettre à travailler, à regagner de l'argent, je me comparais avec le club de promo qui peut. Et j'avais envie de me prendre ma revanche sur ce temps perdu, sur cette humiliation que j'avais vécue. Et là, je me suis dit, non, si tu refais ça, c'est que tu n'as toujours pas compris. Je savais que j'avais laissé le Seigneur, mais j'avais ce blocage au fond de moi parce que j'avais peur et je n'arrivais pas à laisser aller les rênes de ma vie pour laisser vraiment le Seigneur gérer tout ça. Et dans un temps de prière, d'ailleurs, je me souviens que Benoît était là. On avait le feu là sur le live, et puis un groupe de potes, dont Benoît aussi, dit on va monter un groupe de prière, qui n'a pas fait en feu, parce qu'après il y a eu le Covid depuis. On était en train de prier en adoration. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti le Seigneur qui m'appelait à faire comme Abraham, qui. Vous savez, le Seigneur a demandé à Abraham de déposer Isaac sur l'autel et ensuite de le sacrifier, même si le Seigneur est bon et qu'il c'était juste pour le tester. Mais je le sentais comme m'appeler à faire ce même acte de foi, à savoir ce qui est le plus cher pour toi et pour moi, c'était mon avenir, mes études, mon travail, de le déposer et d'être prêt à le sacrifier. Et donc à ce moment-là, j'ai déposé cette volonté que j'avais pour ma vie, pour laisser le Seigneur faire ce qu'il voulait. Et je peux vous assurer que ça a vraiment été presque magique, presque facile, trop facile, parce que quelques jours après ça, il n'y avait plus du tout cette crainte de manquer d'argent, de ne pas réussir dans ma vie. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai un prêtre qui m'a invité à rejoindre en formation pour devenir missionnaire. Et il y a eu encore un petit peu de problème, je dois vous avouer, mais j'ai accepté et ça a été vraiment quelque chose que j'aurais jamais pu faire dans ma vie. Pendant à peu près 3 ans, j'ai servi en tant que missionnaire dans une communauté charismatique où j'ai vraiment vu de belles choses que le Seigneur a pu faire.
m'aide à découvrir cette relation avec le Seigneur à travers l'expérience de l'amour, de l'Esprit Saint. Et donc, ce matin, quand j'avais reçu cette parole du cœur du Père, qui veut vous façonner comme une œuvre d'art, et c'est lui qui est vraiment le plan de cette œuvre d'art, en fait, ça m'a fait réaliser que je vivais sous le regard de mon Père terrestre et que je voulais lui faire plaisir. J'étais pas réellement moi. Et en me mettant sous le regard du Père céleste, en voulant faire plaisir au Père céleste, c'est là que je vivais vraiment une libération. Et je devenais vraiment enfin qui j'étais en réalité, en accord avec ce que je voulais faire plus profondément. Et le Seigneur a été bon, il a ouvert beaucoup de portes. Et donc aujourd'hui je suis missionnaire, photographe et vidéaste. Les œuvres pontificales missionnaires, mais dans la communauté, je suis sûr que vous connaissez son nom, qui s'appelle MDMN. Peut-être que certains d'entre vous font l'échapper avec eux. Et donc, voilà, c'est une vie.